Donc, c'était un matin, on était lundi. Je regarde mon réveil, il me reste 30 minutes. Je re-regarde mon réveil, je suis en retard de 30 minutes. Je m'habille en vitesse et je fonce. J'arrive devant le collège, fatigué, crevé, essoufflé. Un groupe de jeunes fume. Je les regarde, ils me regardent, je les regarde, ils me regardent, je les regarde, ils me re-regardent et là, Alexis me dit: « Wesh, t'as l'air fatigué, tu veux une clope ?» Je lui dis non. Ils me disent: « Wesh, frère, wesh, frère, une clope, wesh. » Je leur dis non. Je cours pour aller en cours, le prof me dit: « Noah, plus d'une demi-heure de retard, tu vas en permanence. Je sors du collège, je zone un peu, je passe devant un bâtiment, un pote à moi sort, me fait signe, il me dit: Wesh Noah, viens, j'ai un truc à te montrer en bol. Viens s'il te plaît. Je le suis. On rejoint une bande d'amis. Armel me dit: Ah mon gars Noah, t'as déjà goûté à la chicha? Je lui dis non. Alexis me dit: Essaye, c'est trop bien. Je lui dis non. Chanice me dit: Essaye, mais sinon tout le monde va croire que t'es une pédale, frère. Je lui dis non. Théo me dit: Essaye, c'est goût bubblegum. Je dis: Ouais, ok. J'ai toussé et j'ai encore toussé. T'as avalé ton chewing-gum de travers ou quoi? Puis, on s'est demandé: Pourquoi un goût bubblegum? On s'est fait un délire sur des commerciaux hyper sapés, tailleurs, costumes, la totale. Dans un méga, giga, ultra bureau de ouf. Bon, écoutez-moi bien, bande de nasses, faut faire du chiffre. Je veux de la thune, je veux qu'on explose le plafond. Plus 17% la première année, plus 38% la deuxième. Les commerciaux, je veux de la tête de gondole, je veux du produit, appelez-moi les ventes surface. Le marketing, vous me faites du viral, du réseau social, du buzz. Je veux quelque chose, je veux que le produit se vende. Trop content d'eux, à se faire un plan de match. Bon, maintenant que les vieux, les ménagères et les femmes enceintes sont accros, vous allez me chercher du jeune, du 6-15 ans. À s'éclater à inventer des goûts fun, carrément à créer des goûts de cocktails alcoolisés. Black Urbain. Morito. Tagada. Cola. Sex on the beach. Bubblegum. Eh, j'avoue, ils mettent le paquet sur le paquet quand même. Hey, mais ce serait trop le kiff en couleur. Genre bleu kitsch, orange papaye, vert turquoise. Des couleurs Jones, des couleurs qui claquent. Trop fort les mecs. Et après, ils inventent de nouveaux produits, des trucs pour faire croire que c'est clean. Et après la bière sans alcool. Le beurre sans gras. Le cola sans sucre. On va faire la chicha sans tabac. Trop fort les mecs. T'imagines le mec qui fabrique ça? Le tabac sans tabac. Genre vrai taré, les yeux exorbités, tout seul dans son labo, à mélanger des produits chelous, cocktail Molotov. Sérieux les mecs? Pfff, espèce de polos. Mais en fait, comment on sait que c'est toxique? Y'a qu'à voir ta tête. Donc, aujourd'hui, j'ai fumé la chicha, donc le goût bubblegum, ça tue, donc chicha, tabac, même combat. J'espère que mon fils fumera jamais ça. Tu m'étonnes. Salut maman. Salut mon chéri. Ça va? Ouais.